Enfin, me voilà chez Typhon. Comme c'est bon de respirer cette verdure. Vraiment, cette belle nature, comme c'est agréable. Ah, je me sens si bien ici. Ça sent une odeur qui me confirme que je suis bien arrivée, je pense. Typhon ? Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Et que prépares-tu de bon? Il y a une odeur que je ne connais pas. Des gâteaux aux cacahuètes? Quelle bonne idée! Ah, tu resplendis comme un soleil, ça fait vraiment plaisir. Même quand le temps est gris, de te voir comme ça, aussi rayonnant. Ce qui est épatant, chez toi, c'est ton punch, mais aussi ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Bien sûr, j'aurais dû y penser que c'est la pluie qui te donne cette joie et cette force qui en découle. Sans eau, nous sécherons, et sans nourriture aussi. D'ailleurs, j'ai comme une petite faim, pas toi? Et puis, ce serait dommage de voir ces gâteaux flétrir. Mais je te fais confiance pour ça, mon ami. C'est vrai que tu es vraiment bien ici. Nous pouvons écouter les oiseaux qui viennent aussi apprécier leur nourriture après une belle pluie. Tu as raison, Typhon. Sans cette pluie, pas de nourriture. Tiens, ça me donne envie d'un autre gâteau. Je peux ? Il faut savoir apprécier ce qui est bon. Et puis, ma route du retour est suffisamment longue. Alors, je peux me permettre. Merci, Typhon. Je ne manquerai pas de partager avec ton ami Dédé le singe ce que tu as préparé pour nous. Il va être content. Au revoir. Attends, je crois que j'ai trouvé. Ah oui, ça doit être ça. Oui, la cabane de Typhon. Typhon, t'es là ? Typhon ! C'est bon, il a entendu. Ah non, il est pas là. Ah oui, peut-être. Alors on va rentrer, dis donc. Oh, regarde, tout est là, il a fait la cuisine. Oh, ça sent la cacahuète. Ça te change des bananes, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Dis donc, regarde, il y a plein de cacahuètes, là. Oh, allez, crunch. Non, arrête. D'abord, t'aimes pas trop les cacahuètes. Enfin, je sais pas, moi, d'abord. Oh, bah, il faut essayer. Oui, bah, c'est vrai aussi. Regarde, il y a son tablier. J'avoue, il est parti. Bon, ben c'est pas grave, on va l'attendre. Ah bah oui, c'est pas un problème. Hein. On va s'installer, ça a l'air d'être super sympa. Oh oui, moi j'aime bien les gâteaux cacahuètes. Bah oui, mais on va les laisser, c'est les siens. Et puis on va attendre. Peut-être qu'il va nous en offrir un. Ah oui, chouette. Tiens, on va s'asseoir là. Oh là là, oh regarde Dédé. Oh bah dis donc, elle est bien sèche. Oh oui, elle a bien besoin d'une pluie bienfaisante pour la remettre sur pied. Ah oui, bah ça c'est vrai, on va attendre un petit peu. Le Seigneur s'en chargera. Ah bah oui, mon Dédé, ça j'en suis bien d'accord. Allez, viens, on va s'asseoir avant que tu manges tout. Tu sais, hein, tu sais que la pluie, elle est essentielle pour notre vie. Ah bah oui, hein. Bah oui, puis toi tu le sais bien, la banane, ça donne soif, hein. T'es rigolo, toi. Ouais, mais j'ai fait un peu exprès. Mais notre créateur sait ce dont nous avons besoin, tout le temps. Eh oui, il connaît tout. Ah oui, hein. Sans eau, notre terre serait sèche. Hein. Bah oui, ça c'est clair. Pas de nourriture et pas de banane. Arrête, Dédé. Il n'y a pas que la banane dans la vie. C'est comme Typhon qui puise sa force et sa joie dans l'eau de pluie. Ah oui. Et oui, il est dit aussi dans la Bible que notre Seigneur Jésus viendra pour nous comme une pluie qui arrose la terre, pour nous faire du bien. Et c'est dans quel chapitre ça ? Je crois que c'est dans Osée 6, verset 9. Oui, c'est ça, verset 9. Alors, je veux être pleinement arrosé. Oui, tu as raison mon Dédé.
car la pluie dont nous parle la parole de Dieu nous remplit de son esprit, de joie, d'amour. Et de force. Bien, Dédé, oui, et plein d'autres bienfaits, évidemment. Et je me souviens, Terry, qu'un jour, que tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur doivent se réjouir. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Car ils recevront une pluie de joie. C'est vrai, mon Dédé, c'est vrai. C'est une promesse que nous retrouvons dans le livre de Joël. Ça doit être dans le chapitre 2, verset 23, je pense. Oh, la pluie bien bienfaisante, la la la. Tiens, comme une pluie arrose les prairies, ça me dit quelque chose. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Oh, je sens que je connais ce chant, comme j'aime cette louange de notre ami Jean-Jean. Allez, les amis, soyons comme Typhon. On reste dans la joie et on partage avec nos amis tout ce que Dieu met en nous de bon. Ah oui, nous acceptons que Jésus nous s'arrose de sa parole. De son esprit. Oui, tout à fait. Allez, on chante ensemble. Allez, on y va, les enfants. Bon. Eh, c'est pas tout, mais moi j'ai une petite faim. Mais tu penses qu'à ça, toi? Tu penses que Typhon, il nous en voudra? Oh, t'as vu, il en a fait plein. Ouais, c'est vrai. On va en manger un. Ok, je pense qu'il a pensé à nous. Et puis à toi. Oh, oui, tout à fait. Allez, on y va. Bon appétit. Comme la pluie arrose les prairies, Saint-Esprit vient remplir ma vie. Dans mon cœur, viens faire ta demeure, inonde-moi de ton huile de joie. Comme la pluie arrose les prairies, Saint-Esprit vient remplir ma vie. Dans mon cœur, viens faire ta demeure. Excellent.
Ah bon? Mais il donne soif. On va attendre la pluie. Tout à fait. Très bon. Marie, on va attendre un peu. Oui, ces deux vont s'en charger, après tout. Marie.